Salut les Dédés, j'espère que vous allez bien. En tout cas, moi, ça va nickel. Aujourd'hui, je suis avec un apiculteur. On va essayer d'enlever un essaim d'abeilles, mais dans un tronc d'arbre. Donc, on est déjà venu il y a quelques jours agrandir le trou. Et maintenant, on va essayer. Donc, c'est pas sûr qu'on y arrive, mais on va quand même aller voir ça. Donc, je vous montre. C'est très très intéressant. Et des fois justement il se passe rien pendant 10 minutes. Eh ouais, je sais, ouais, j'essaye de. Il y a des mots, non ? Il se passe rien, on voit les gens couvrent des. On ne sait même pas ce qu'ils font, c'est ça le problème. C'est pas ce qu'ils font, c'est des mouches qui ouvrent, c'est des mouches qui ouvrent partout, c'est ça qu'ils font. C'est pas ce qu'ils voient, c'est pas ce qu'ils cherchent. Tout ce qui va être miel, je vais le mettre là-dedans. Miel là-dedans, ok. Et puis tout ce qui est couvain, il faut les découper, les mettre à plat, là, puis les ficeler. D'accord. Là, tu les remets dedans. Et après tu le remets là-dedans, ok. Alors, le but aussi c'est de ne pas perdre la reine, parce que là c'est foutu, après. Enfin, c'est foutu. Pas perdre la reine, donc les morceaux, il faut les emmener au plus près, puis les poser dessus, comme ça si la reine elle tombe, elle tombe en dessous, parce qu'elle est... Elle est pas mobile. Elle va pas retourner faire 2 mètres en s'envolant pour retourner là. Il y a beaucoup de chance. Donc le monsieur qui parle, c'est Didier, un apiculteur de Carbonne, à côté de la région toulousaine, qui vient essayer d'enlever cet essaim. Essayer d'enlever les abeilles. Ils sont là, ils sont. Bon, les dédés, il y a aussi un nid de fourmis charpentières. Tu le vois comment? Tu vois les larves. Les larves blanches. Je veux dire, faut travailler là parce que si la reine est dessus, qu'elle tombe là. Tu vois, les... Ce qui ferait, c'est arriver à en sauver quelques-unes. Et là, avec ce nuage, tu arriverais à voir la reine. Comment? Avec ce nuage d'abeilles, tu vas réussir à voir la reine. Elle va suivre automatiquement le couffin? Qu'on va essayer de coller bien à plat. Thank you.
de lait. Ça. Les bêtes qui font du miel ou... Et t'as beaucoup de ruches? J'en ai 6. Je pense que j'en aurai une dizaine d'ici la fin de l'année, la fin de l'été. Ouais. Là, jusqu'à la fin d'été, t'en récupères encore? Oui, non, parce que j'en ai acheté 2 que je vais avoir au mois d'août. Et puis, celle-là, je sais pas trop ce que ça va donner. Et puis, je pense que j'en aurai une autre la semaine prochaine. Un monsieur qui m'a dit j'ai une. Derrière ma cloison, il y a un nid d'abeilles. J'ai dit oui, mais. Il me dit je suis pas cassé la cloison. Ah. Ah, c'est bien ça. Je te fais répéter quand tu leur fais. Je dis c'est pas très commun. Il me dit oui, mais c'est l'occasion de faire des travaux et puis de changer les papiers. Oh, bah si vous le prenez comme ça. Ah non, mais c'est très bien même. Donc, on m'a couché. Parce que c'est rare, hein. Ah oui, c'est très rare. Le dessus tu fermes pas. Non, parce que de toute façon si on veut sortir, ils sortiront. Bon, arrivé, on n'a pas pu enlever les siens, on n'arrive pas à voir la reine. Donc, soit la reine elle est encore dans le tronc et on n'arrive pas à l'attraper, soit on l'a écrasée sans le faire exprès et du coup les abeilles ne veulent pas rentrer dans la ruche. Donc vous voyez, on est dans un parc à côté de lotissement où dès qu'il va faire beau, les enfants ils vont venir jouer dans l'espace vert. Donc je suis dans l'obligation de faire un traitement puisque l'essaim est quand même à 10 cm du sol. Il suffit d'un ballon ou quoi pour que il y ait un danger pour les gens. Donc je vais envoyer un peu de poudre. Ça m'embête. C'est toujours quelque chose que j'aime pas faire. Voilà, donc j'espère que normalement cette vidéo ne doit pas trop vous plaire parce qu'on ne peut pas enlever une ruche. Hein. Mais au moins je voulais vous partager ça, vous montrer qu'on essaye quand même d'enlever les essaims avant de traiter et que c'est quelque chose d'important. Voilà. Mais après c'est vrai que quand il y a un danger pour les gens ou des enfants, il faut bien faire quelque chose. Voilà, donc je remercie Didier qui a quand même essayé de l'enlever, hein, un maximum. Donc voilà. Allez, je vous dis à bientôt les Dédés.